Joël, aujourd'hui l'étape Rennes, alors comment est-ce qu'on va aborder cette étape Rennes de ce Tour de Luxembourg? Bah, c'est l'étape la plus difficile, donc on verra ce que ça va donner. On va se défendre et voilà. Pour la plupart des coureurs de l'équipe, ils vont essayer de la terminer et puis de survivre. Vous connaissez bien quand même ce final, puisqu'il y a eu la Flèche du Sud récemment. Comment vous l'envisagez avec l'enchaînement, la Sauvage, Col de l'Europe, et puis cette répétition du Col de l'Europe? Bah, d'abord, le début est déjà difficile avec Avils, la Knoop. Ensuite, le Bourget, donc ça a déjà fait des sélections. Ensuite, il y a la plus plat et le final et le 30 derniers kilomètres, il est à 4 bosses. Donc ça va exploser, je crois. Personnellement, sur le plan physique, comment vous vous sentez? Bon, en fait, je suis arrivé un peu fatigué, mais hier, je me suis senti bien, donc je suis confiant pour aujourd'hui. Mais bon, je ne me stresse pas trop. On verra, je vais essayer de m'accrocher le plus longtemps possible et on verra bien. Et un petit mot sur l'ambiance dans l'équipe pour ces jeunes. C'est quand même super de pouvoir parcourir le Luxembourg et puis d'avoir une concurrence quand même intéressante. Oui, bien sûr, pour nous c'est un honneur de faire cette course, déjà devant notre public et avec les pros, donc c'est une grande chance. Et bien sûr, l'ambiance elle est très bonne, tout le monde est bien motivé.